le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre, va publier la liste des convoqués pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 opposant la République démocratique du Congo au Soudan, prévu le 9 septembre prochain. Ce sera le 24 août 2023 aussi de la Fédération Congolaise de Football Association dans le cadre d'une conférence de presse qui va animer et de nous poser cette question. L'ancien capitaine de Léopard, Marcel Tisserand, va-t-il faire son retour en équipe nationale? Il faut dire que depuis la prise de pouvoir du coach français Sébastien Desabre, Marcel Tisserand n'a jamais été appelé en équipe nationale. Son dernier match remonte au 8 juin 2022 à Khartoum lors de la défaite 2-1 de Léopard face au Crocodile d'une île du Soudan pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pourquoi Sébastien Desabre n'a jamais fait appel à l'ancien capitaine de Léopard, Marcel Tisserand? Est-ce lui qui avait pris sa retraite internationale? Nous en doutons bien évidemment, car récemment, dans un média français, Tisserand se plaignait du silence de la Fédération Congolaise de Football Association et du coach à son égard. Il disait ne pas être sélectionné, c'est un fait. Du point de vue sportif, ça passe. Mais qu'on m'appelle pour me le dire, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, ni le sélectionneur ni la Fédération n'ont pris la peine de me passer un coup de fil, sachant que ça fait plus de 10 ans que je suis là. Je trouve ça inadmissible. Et pour moi, c'est un manque de respect, avait notamment fait savoir le défenseur qui évolue actuellement à l'Etifak à la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Tisserand a fait cette sortie, hein. C'était à Canal Plus Sport Afrique. Le coach Sébastien Desabre, de son côté, s'était justifié en disant ceci lors de la conférence de presse d'avant-match opposant la RDC à la Mauritanie à Lubumbashi. C'était pour le compte de la troisième journée de ces mêmes éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre estimait que c'est un choix purement sportif et avait promis de parler au capitaine pour ce manque d'attention. Au vu de son état de forme, de son expérience et de ses états de service, les Léopards ne peuvent pas se passer de Tisserand. Il joue certes en Arabie Saoudite, mais récemment, 5 derniers champions d'Afrique sénégalais ont rejoint ce championnat. Et chaque semaine, il va affronter des joueurs de la trempe de Cristiano Ronaldo, de Sadio Mané, de l'attaquant sénégalais Habib Diallo et même du brésilien Firmino, sans oublier le dernier vainqueur du Ballon d'Or, Karim Benzema. Aucun défenseur congolais, mais alors aucun, ne peut se vanter d'affronter chaque semaine de tels adversaires. Né en France d'un père français et d'une mère congolaise, il choisit de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Marcel Tisserand dispute le tournoi de Toulon 2013 avec l'équipe nationale congolaise des U20, où il côtoie entre autres Chancel Mbemba Mangoulou, l'actuel capitaine de Léopard, Omenou Kefoulou qui évolue à Las Palmas en Liga espagnole, ainsi que Merveille Bope du Standard de Liège en première division belge, ancien du tout-puissant Mazembe Anglébert. Tisserand connaît sa première sélection avec l'équipe nationale A lors d'une rencontre amicale disputée contre la Roumanie le 25 mai 2016. Il a disputé l'intégralité de ce match qui s'est conclu sur un match nul d'un but partout. Le 4 septembre 2016, il honore sa deuxième sélection lors d'un match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 face à la République centrafricaine. La rencontre est remportée sur le score de 4-1 au stade des Martyrs de Kinshasa devant plus de 80 000 spectateurs. Formé à l'AS Monaco, il est aussi passé par le Racing Club de Lens, par Toulouse. En Allemagne, il a évolué notamment à Ingolstadt ainsi qu'à Wolfsburg. En Turquie, c'était dans le club de Fenerbahçe. Et depuis août 2022, il a rejoint la Saudi Pro League, championnat d'Arabie Saoudite, dans le club d'Etifak où il a signé un contrat de 3 saisons. Il côtoie au quotidien des joueurs comme Moussa Dembélé, ex-canonnier de l'Olympique Lyonnais et de l'Atlético de Madrid. Il y a également Jordan Henderson, ex-joueur et capitaine et ex-capitaine de Liverpool, sans oublier l'entraîneur
entraîneur emblématique Steven Gerrard, légende vivante de Liverpool FC. A noter que le club d'Etifat occupe actuellement la deuxième position au championnat après deux journées du championnat où ils ont le maximum de points. Et cela après avoir battu la semaine passée Al Nassr, club de Sadio Mané ainsi que de Cristiano Ronaldo. Hier, ils ont battu Al Azem sur le score de 0 buts contre 2. Bien entendu, Marcel Tisserand était titulaire dans la charnière centrale de cette équipe. Alors, Marcel Tisserand dans son équipe est parmi les joueurs les plus utilisés et cela a été le cas la saison dernière et même cette saison avec l'arrivée de la légende de Liverpool, Steven Gerrard, cela n'a pas changé. Alors, avec ses prouesses, avec ses performances, est-ce que Sébastien Desabre peut continuer à faire la sourde oreille quand on sait qu'il retient parmi les convoqués, en tout cas lors du dernier rassemblement, on a vu pas moins de 4 défenseurs centraux. Je pense que parmi 4 à 5 défenseurs centraux qu'il peut sélectionner pour un match des Léopards, Marcel Tisserand a tout à fait sa place parce qu'il se maintient au haut niveau. Alors dites-nous, que pensez-vous de Marcel Tisserand? Devrait-il être convoqué le 24 août prochain par Sébastien Desabre pour ce match importantissime pour la République démocratique du Congo, match du 9 septembre prochain qui va opposer le Léopard au Crocodile du Nil du Soudan? Répondez-nous en tout cas à travers des commentaires. On se fera un plaisir bien sûr de venir enrichir cette réflexion en participant ensemble avec vous en commentant bien évidemment. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Mais nous restons toujours dans le cadre de ce match de la 6e et dernière journée contre le Soudan. On reste donc dans la tanière. Bonne nouvelle pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Le défenseur central de Hibernian en Écosse, l'international congolais Rocky Bouchiri, peut maintenant jouer en match officiel avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Une information qui nous est confirmée par notre confrère Genovic Mboa Mbaya sur sa page Facebook officielle. Le confrère écrit ceci: Rocky Bouchiri peut enfin jouer officiellement avec la RDC. Le défenseur central sociétaire de Hibernian FC vient d'obtenir son passeport congolais ce vendredi. Présent dans le groupe lors de la récente victoire de la RDC face au Gabon 2-0, le natif de Duffel n'avait pas pu jouer pour des raisons administratives. Bouchiri est bien parti pour être dans le groupe de Desabre en septembre face au Soudan. Match prévu le 9 septembre au stade des Martyrs. Une information, je l'ai dit, qui nous est rapportée par notre confrère Genovic Mboa Mbaya. C'est une bonne nouvelle. Rocky Bouchiri pourrait être là, d'autant que un autre défenseur central pourrait peut-être ne pas être là, même si sa blessure n'est pas grave. Il s'agit des Nokes Inongabaka, le défenseur central de Simbaese de la Tanzanie. Il a fait partie du dernier rassemblement. Il a même joué lors du match amical contre l'Ouganda, match remporté par les Léopards sur le score d'un but à 0, où il a composé la charnière centrale avec Dylan Batumbisika. Alors nous allons terminer par des nouvelles de nos adversaires dans le groupe I, même si nous allons plus nous affronter. C'est déjà fait, la République démocratique du Congo a déjà joué contre le Gabon tous les deux matchs. Vous le savez, on avait pris le dessus contre les Gabonais lors du match de la 5e journée à Franceville sur le score de 0 but contre 2. Mais les Gabonais ont publié leur liste de convoqués pour le match de la 6e et dernière journée qu'ils vont jouer du côté de Nouakchott en Mauritanie, où ils vont devoir battre l'équipe de la Mauritanie s'ils veulent se qualifier. Cela n'est pas impossible. Et ce match nous intéresse aussi, d'autant que dans notre groupe I, aucune nation n'est qualifiée. La République démocratique du Congo occupe la première place avec 9 points, suivi de la Mauritanie 7 points, du Gabon 7 points, et en 4e position, c'est le Soudan, notre prochain adversaire, qui compte 6 points. Donc toutes les équipes peuvent se qualifier. Voilà pourquoi le match du Gabon et de la Mauritanie nous intéresse au plus haut point. Alors, du côté des gardiens, Patrice Neveu a retenu à mon nommé Jean-Noël, le gardien titulaire des Panthères du Gabon. Il y aura également Mfa Mezui, Anthony et Fotio Onubi. Comme défenseur, il y aura Ekomier, Jacques, Apidangoye, Aaron, Obisa, Sidney, Oyono, Anthony, Obiang, Johan, Moussunda, Mouketou, Alex, Mboula, Michel, Akwe Asumu. Nous aurons également l'expérimenté Ekwele Emanga. Comme milieu de terrain, Mario Lemina sera là.
Kanga Gelor fait son grand retour. Ndong Didier, Ngwali Martinson, Sambisa David, Bitege Medvin. Nous aurons également Ochanga lui et comme attaquant Denis Bouanga et le capitaine emblématique, la légende Pierre-Emerick Aubameyang. Boumpenza Aaron sera également là. Domar Colino Alan sera là. Babika Chavi, Alevin Ajim sera là. Et Mbina Orfeh. Voilà donc les convoqués de Patrice Neveu pour le match de la 6e et dernière journée. Un match tout aussi capital pour les Panthères du Gabon, hein, prévu le même 9 septembre 2023 sous le coup de 17h. Les deux matchs vont se jouer à la même heure parce que justement ce sont deux matchs à grand enjeu car dans ce groupe il n'y a aucune nation n'est encore qualifiée. Alors ce qui est à retenir et ce qui est important c'est le retour du Congolais Gelor Kanga qui avait été absent lors du match de la 5e journée face au Léopard de la RDC parce que suspendu, hein, il était sous le coup d'une suspension due à l'accumulation de deux cartons jaunes. Bonne chance à nos amis gabonais parce que Gelor Kanga, malgré qu'il nous a donné beaucoup de soucis, hein, malgré qu'il nous a fait pleurer, bonne chance quand même aux Gabonais parce que Gelor Kanga est natif de Ngiringoto, de Ngiringiri, qui connaît bien le terrain de Bondo, terrain zélotique de Ngiringiri. Nous souhaitons aux Gabonais de passer ce cap, hein, et donc de battre les Mourabitoun mauritaniens, surtout avec tout ce que les Lopas ont connu à Nouakchott, avec cet arbitre tunisien que nous n'allons pas oublier, hein, qui avait expulsé Cédric Bahakambou. Et donc, bonne chance à nos amis Gabonais, c'est mon point de vue. Hein, donc, je souhaite bonne chance aux Gabonais avec Gelor Kanga. J'espère qu'ils vont se qualifier ensemble avec les Léopards de la RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.